J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un Everything in my phone, Everything on my phone plutôt, c'est plus juste. Ce tag m'a été largement demandé en message privé. C'est pourquoi j'ai décidé de m'y mettre et je le fais aujourd'hui. C'est parti! Alors, en question numéro 1, quelle est la marque de ton portable? Alors, mon portable, c'est le Galaxy S4, donc en édition rose. Donc, il est tout joli. Quel est ton fond d'écran? Alors, mon fond d'écran de verrouillage, donc c'est celui-ci avec Enjoy Your Life. Donc, c'est tout et rien, c'est des petites plumes avec un petit fond un petit peu solaire. Ça me correspond bien, je trouve. Après, 3. À quel âge a eu ton premier portable? Alors, mon premier portable, je ne l'ai pas eu super tôt, parce que c'est vrai, je n'avais pas l'utilité, donc mes parents n'ont pas jugé bon de m'en donner un en fait assez tôt. Je l'ai eu en 3e. Donc je devais l'avoir en fait pour si j'avais mon brevet en fait, mon brevet hein. Et donc je l'ai eu à cette occasion là, pas parce que j'en avais de réel besoin étant donné que j'habitais juste à côté de mon lycée-collège. Donc non, c'était plus du loisir, donc voilà, mes parents ont jugé bon d'attendre la 3e. Donc j'avais, je sais plus quel âge on a en 3e, 13 ans peut-être ou 14 ans. Je sais plus du tout. Je crois que j'avais 13 ans en 3e. Alors, 4. Alors, désolée pour la luminosité. Un coup il y a du soleil, un coup il n'y a pas de soleil. C'est un peu l'apocalypse aujourd'hui. C'est un peu bizarre. Il y a beaucoup de vent. Un vent de voleur. Alors, es-tu accro à ton portable? Je suis accro à mon portable, oui, sans vous le cacher. C'est vraiment un besoin pour moi. La première chose que je fais au réveil, c'est de regarder les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, etc. Je me couche, pareil, la dernière chose que je fais, je regarde mon téléphone portable. C'est vraiment un besoin. J'ai un peu honte de dire ça, mais en même temps, faut être honnête, c'est un peu quelque chose qui me rassure. C'est un peu comme un doudou, finalement. C'est un peu mon doudou. D'ailleurs, quand j'ai plus de batterie ou si je ne capte plus, franchement, limite, c'est un peu l'angoisse. Je me sens détachée de tout. J'ai vraiment besoin de communiquer. J'ai besoin d'avoir mon petit cocon avec tous mes... C'est un petit peu comme une liaison que j'entretiens avec mes proches. J'ai besoin de les avoir auprès de moi. C'est comme ça. Ça me rassure. Alors, on va passer à la question 5. Préfères-tu les SMS ou parler directement au téléphone? Alors, ça va peut-être vous surprendre parce que je sais que beaucoup de personnes préfèrent téléphoner parce que d'une, c'est plus simple, ça va plus vite et c'est plus pratique. Mais alors moi, je préfère vraiment les SMS car j'ai l'impression de... Quand je téléphone, j'ai l'impression que j'ai peut-être tombé au mauvais moment. C'est trop intrusif. Alors, je préfère le SMS. La personne me répondra quand elle aura le temps et je ne l'ai pas coupé dans sa journée. Je raisonne peut-être comme ça parce que moi-même, je n'aime pas trop être appelée quand je suis en train de faire une vidéo, par exemple, ou quoi. Ça me coupe. Donc, si c'est vraiment important, une urgence, vous m'appelez. Si c'est pas important, vous m'envoyez un SMS. Alors là, j'en suis où? 6. Depuis quand as-tu ton portable? Alors, le Galaxy S4, je l'ai depuis février 2013, donc ça fera un an en février 2014. Non, on est déjà en 2014. Ça fera un an en février 2015, donc je l'ai eu en février 2014. Et j'en suis très satisfaite. 7. As-tu déjà été chopée avec ton portable en cours? Alors clairement oui, même plusieurs fois. J'ai toujours été assez dissipée à l'école. J'envoyais même des SMS à des personnes qui étaient dans la même classe. On s'amusait un peu à ça. La chance que j'ai eue, je dirais, c'est qu'à l'époque, il n'existait pas encore tout ce qui est Twitter, Facebook, Instagram. Parce que si j'étais encore à l'école aujourd'hui,
je pense que je me ferai encore plus prendre qu'avant. Parce qu'avant, ça s'arrêtait au SMS finalement. Avec mon petit 3310, et je me rappelle très bien les SMS qui étaient en plus comptés au niveau des lettres. Donc au final, je suis plus sur mon téléphone aujourd'hui que dans le passé. Et j'ai dû me faire prendre, je dirais, une trentaine de fois par mes professeurs. Ensuite, 8. As-tu déjà cassé par SMS ? Alors aujourd'hui, je dirais que c'est très lâche de faire ça. Mais oui, ça m'est déjà arrivé de casser par SMS. C'est vrai, ça m'est déjà arrivé. J'étais plus jeune. J'étais jeune et donc c'est vrai que j'étais pas forcément à droite avec ce genre de choses. Donc oui, ça m'est déjà arrivé de casser par SMS. Désolée pour mes ex avec qui j'ai cassé par SMS. Après, alors c'est un peu la difficulté, c'est que j'ai un peu mélangé toutes les questions. J'ai mélangé les chiffres et les questions, donc c'est un petit peu compliqué. Ensuite, 9, voilà, quel est le portable de tes rêves ? Le portable de mes rêves, eh bien c'est mon téléphone. Je suis super super satisfaite de mon Galaxy S4. J'ai eu le Galaxy S3, ensuite le Galaxy S3 mini. Aujourd'hui c'est le S4. Vraiment, je pense que je ne changerai vraiment pas de modèle. Avant j'étais très iPhone, je les ai tous eu jusqu'au 4S où j'ai dit vraiment au revoir la pomme pour bonjour Android, et vraiment je ne changerai pour rien au monde. Je pense vraiment rester sur ce modèle là. Si je dois le changer en février, ben, je reprendrai sûrement le même parce qu'il est juste, super celui-ci. Il me comble de bonheur. Es-tu... non, 10. Ah ben c'est déjà la dernière question. Quelles sont les applications que tu utilises le plus ? Alors il y a tous les réseaux sociaux, hein, ça je ne vais pas vous cacher. Instagram, Twitter, Facebook, les Snapchat. Mais ça c'est juste une tuerie, j'adore trop cette application, c'est un petit peu mon bonus de ma journée. Je regarde les Snapchat de mes amis, il y en a, j'ai deux de mes amis. En particulier, ils se reconnaîtront s'ils regardent ma vidéo, je suis juste morte de rire en regardant leur Snapchat. C'est juste intersidéral, c'est juste trop trop rigolo leur Snapchat. Sinon je vais avoir quoi, une nouvelle application. Donc c'est celle-ci, je sais pas si vous la voyez bien. Donc c'est Dubsmash, elle est juste d'enfer. J'adore vraiment Snapchat, WhatsApp. Bon après il y a tout ce qui est banque, administratif, bon ça si j'aime moins. Ouais. Bah YouTube forcément. YouTube, donc le programme télé, clairement je ne regarde quasiment plus la télévision. Voilà. De toutes les façons, je vous mettrai en barre d'infos toutes mes applications que je préfère. Et donc voilà, vraiment j'adore trop ce téléphone parce qu'on peut vraiment tout changer, tout est changeable, jusqu'à la police. Donc vraiment un grand pouce en l'air pour mon Galaxy S4. Le tag est terminé, j'ai enfin fait mon Everything on my phone, j'espère que la vidéo vous aura plu. Pour ma part, je vous fais plein de gros bisous, il y a Soja qui dort ici, à croire que, bah, en fait c'est ma première fan de toutes mes vidéos parce qu'elle est toujours là et en plus elle les voit en avant-première vu qu'elle est là lors du tournage. Je vous fais plein de gros bisous, je vous aime. Et vraiment merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Et n'hésitez pas également à me retrouver sur Instagram et Twitter. Je vous aime. Super personneuse. Ça sonne. Donc je reviens, c'était bien le facteur qui a sonné, ça a recommandé. Donc conseil des prud'hommes, donc j'ai la réponse. Parce que pour la petite histoire, oui, il y a une ancienne entreprise pour laquelle j'ai travaillé que j'ai mis au prud'homme, et donc là dedans se trouve la réponse. Alors laissez-moi vous dire que je suis juste super impatiente de voir le jugement, mais du coup j'ai le cœur qui bat et tout là. Alors franchement je sais plus où j'en étais. Oui.